Des bouteilles, des gobelets en plastique, qu'est-ce qu'il y a encore ? Du papier, du carton, enfin beaucoup de plastique. C'est le grand nettoyage de printemps sur les plages entre le Fort Carré et la Marina. Ce matin, une cinquantaine de bénévoles est venue débarrasser le littoral de ses déchets. Nous, on utilise un petit peu la mer, on utilise les plages, on veut que ça soit propre. Et puis, on veut aussi lutter pour tout ce qui est pollution. Le bois, on s'en fiche un petit peu, mais en dessous, regardez, il y a plein de plastique, il y a plein de choses qui se... Voilà, c'est cracra. Quand on voit le temps que mettent les déchets à se détériorer, donc c'est important de faire prendre conscience aux gens de l'importance d'être propre. Sensibiliser le grand public, c'est le but de cette opération lancée par le Conseil général à la suite des coups de mer de cet hiver. Il y avait énormément de pollution par des macro-déchets qui avaient été déposés et le travail n'avait pas été terminé, notamment au niveau des plus petits déchets. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité réintervenir sur cette plage. Dès mardi, ce sont les communes d'Antibes et de Villeneuve-Loubet qui vont prendre le relais et préparer les plages pour l'été en espérant cette année éviter les coups de mer.